Real de Madrid pas arrivé gagner premier match li dans Liga Santander là. Donc Casablanca a fait un match nul en déplacement la caille équipe marocaine. Donc nous pouvons présenter au match football ça, nous pouvons dire tout ça que nous avons. Juste avant au compte formule là déjà, pas oublier abonner. Lorsque vous finissez abonner, activez cloche notification hein. Comme ça, ou pas rater aucune vidéo qu'on a gagné pour nous laguer sous channel. Donc Real de Madrid marocain j'en dis là, match là, il finit un but partout. Real qui était conduit, même 11, il était joué contre formation Atalanta, à savoir Courtois dans le goal. Eder Militao accompagné de Rudiger, à droite Cavajal, à gauche Felamendi. En derrière c'était Tchouameni, Jude Bellingham et puis Valverde. Devant, c'était Trio, hein? Vinicius Rodrigo et puis Kylian Mbappé. Donc Real qui était rentré dans le match, je suis capable de dire très bien. Donc, à la 13e minute de jeu, Rodrigo, après jouer une nouvelle scolaire, un très bel goal. Après, il y a une talonnade de Vinicius Junior. Rodrigo, après fait des contrôles pour joindre bien Anglais Tirlan. Frappe en haut les pieds droits. Donc, c'était 1-0 pour l'équipe Real de Madrid. Il y a une équipe Mallorca qui lui-même était quand même venu jouer football. Puisque, il y a quand même réalisé plusieurs occasions. Nous songeons, eh bien, frappe ça que Thibaut Courtois lui-même était voyant en corner. Nous songeons, ballon ça, que Thibaut Courtois lui-même n'est pas capable de capter attaquant marocain. Tu as obligé Thibaut Courtois à faire une double parade. Donc, c'était une équipe marocaine qui était très, très menaçante sous tout match-là. Donc, première mi-temps a fini un but partout. Deuxième mi-temps, tu as démarré. Et dans la deuxième mi-temps, Marocain, tu as joué un goal égalisation. Après, un corner de la gauche vers la droite. Qui à la 53e minute de jeu, donc j'étais libre de tout marquage en de surface là. Donc Thibaut Courtois pas capable de faire trop grand chose. Puis le monde pensait que l'équipe Real de Madrid était capable de jouer un deuxième goal là. Pourquoi pas marquer un troisième goal? Puisque donc Mallorca quand même c'est Mallorca, mais ça va déjà mauvais fait malgré toute tentative, que ce soit avec Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo Goes. Donc monsieur tenté. Mais l'équipe Mallorca était bien en place. Donc, ils ont kebé jusqu'à la fin et ils étaient capables même de saigner l'équipe Real de Madrid dans ce match-là. Si que ils ont pas maladroit. Donc, Real de Madrid qui concédait un match nul. Avec quand même une statistique comme ça. Mallorca fait 12 tirs, 15 qui cadrent avec 33% possession de balle. C'est-à-dire que Real gagne 67% possession de balle. Il fait 13 tirs, 15 qui cadrent. Donc, l'équipe marocaine était vraiment bien en place et ils ont quand même préparé un très bon match, surtout sur le côté gauche, équipe Real de Madrid. Là. Donc, l'équipe marocaine a fait quand même un très très bon travail, côté que ils n'ont pas quitté. Donc, M. Tekou Hugo, des fois Mbappé, M. ça n'a pas tellement à l'aise du tout dans le bord gauche. Là. Gagné Eric Ferramendi qui lui-même t'a pas écopé de un carton rouge à la 90e minute plus 7. Donc monsieur qui fait en faute après équipe marocaine qui t'a essayé partir en compte dans fait match là. Donc dans dernière seconde, donc Ferramendi était obligé prend carton rouge là. Pendant dernière saison là, équipe marocaine c'est un adversaire qui pas trop facile pour Real. Si vous regardez donc trois derniers matchs que Real joue avec Mallorca, match ça a fini 1-0. Donc c'est dans la douleur que Real est toujours bat équipe marocaine pendant la dernière saison ça là. Et donc j'en dis là c'est une équipe qui pas facile. Real qui est même pas bien rentré. Donc Real a perdu 2 points pendant ce temps. Barcelone était déjà bat dans un premier journée ça 2-1 équipe Valencien avec un doublé de Robert Lewandowski. Jodi an, équipe Real pas trop bon. Il y a un joueur pour moi qui joue plus mauvais match pour Real jodi an, c'est Dani Carvajal. Dani t'es quand même pas répondre du tout. Pour l'équipe Real de Madrid jeudi. Donc, je pense que Dani Carvajal était supposé sortir dans un match de football là, puis bonnet parce que donc Dani n'y pas te répondre du tout. Donc, dans l'attaque là, pour moi-même, c'est Rodrigo Goes qui est même plus bon pour l'équipe Real de Madrid. Moi-même, toujours dis ça. Tout à l'heure que Real n'a pas qu'à titulariser M. Takou Luka Modric. Real, nous connaissons déjà le pagain Toni Kroos et Real
li pa titularize tout yon joueur tan kou Adaguilera. Donc Rodrigo c'est yon nan joueur pendant toute saison là nous capable wè qui vinn et indispensable et même des fois la difficile pour Ancelotti pour le retirer dans le match parce que Rodrigo gen un avantage li bay jeune de là lorsque ou pas gen course ou pas gagné donc Luka Modric donc Rodrigo li tourner la aider mi-temps terrain équipe Real de Madrid là parce que l'homme mi-temps terrain qui gagne trois monsieur ça yo donc Tchouaméni, Bellingham, Valverde c'est trois joueurs qui semblaient trois joueurs qui gagnent un abattage physique extraordinaire mais qui pas capable d'organiser jouet qui pas capable et bien capable de faire équipe en jouer un joueur qui t'apparaît capable faire ça c'est Bellingham mais ouais Bellingham li pas rentré dans la logique là. Non, si Real Madrid n'est pas capable de gagner un créateur, il n'est pas capable de gagner un nèg qui pour là pour faire équipe en jouer. Donc Rodrigo l'a toujours paraître un joueur indispensable parce que j'ai dit là, il tourne en pile et au senti c'est un joueur qui a sens là tout. Sens pour organiser jouer là, sens pour faire équipe en jouer. Donc au senti style là, la caille donc Rodrigo. Moi-même si m'étais dans place Rodrigo, du moins si m'étais dans place Ancelotti carrément m'tap essayer Rodrigo en d'intérieur pour Rodrigo à faire équipe là jouer. Donc moi même c'est une prend responsabilité pour me dire ça. Si Rodrigo vle li capable yon organisateur de jeu. On pas connait si me tromper mais là m'a regarde Rodrigo sens li façon genre de football, me senti Rodrigo t'es capable et bien yon gros milieu de terrain si m'ta en place Rodrigo m'ta essayer. Et si je place Ancelotti tout, je mets à Rodrigo jusqu'à ce que je me convertis, monsieur. Parce que je me sentis donc vraiment Rodrigo a un sens à la cali. Et puis, Vinicius, Mbappé, je dis, il a retiré Vinicius dans le match. Donc, ça qui est même fait un peu le tollé. Est-ce que Vinicius était content de le retirer là? Je ne peux pas opiner sur ça. Donc, quand Ancelotti a fait stalver. Sauf moun ki pat mérite sorti nan attaque la jodi an c'est Rodrigo. Après ça, quel était Mbappé, quel était Vinicius Junior. Donc monsieur ça était capable de sortir dans match parce que yo pat bay trop garantie vrai et donc Bellingham tout était sorti. Donc Mbappé il rete parce que c'est un attaquant et sous besoin goal et ou pas gen l'autre attaquant sous banc. Donc pas de gain moyen pour te retirer Kylian Mbappé pendant que match lui-même il but partout. Donc c'est comme ça moi-même moi interpréter ça donc peut-être que mon cap dit c'est Mbappé qui met équipe c'est ça qui fait le pas sorti donc moi-même pas ouais comme ça donc Ancelotti fait un choix de quitter grand attaquant li gagnant sur terrain malgré Kylian Mbappé lui-même monsieur de refuser était dans boîte attaquant donc c'est un gros problème que Real lui-même il pourrait le gagner parce que Kylian Mbappé il pas veut rester comme pointe vraiment il est toujours voulu tourner pour venir jouer football pour venir participer dans jouer clan. Mais Kylian Mbappé n'est pas Benzema. Tourner Kylian Mbappé, c'est sous côté gauche pour aller, pour faire accélération. Et là, nous connaissons, c'est Vinicius qui lui-même qui l'a. Donc, le conseil, il vient monter sur Vinicius Junior. Si Vinicius lui-même n'est pas guetté, passer en pointe. Donc, c'est quand même un problème. C'est une raison qui fait toujours Abdil. Donc, Real Madrid n'a pas besoin de Kylian Mbappé. Donc, Kylian Mbappé, il joue neuf. Mais c'est pas quand même c'est pas neuf ça que Real Madrid lui même était besoin hein. Parce que lorsque tu as gagné Vinicius Junior donc Vinicius tout ça possible sur côté gauche dans le café yo Vinicius seulement besoin un joueur qui est dans surface quand tu as rien à surface lorsque le fin donc bat yon arrière pour le centrer pour attaquant faire goal mais ou senti malgré la présence de Kylian Mbappé donc des fois Axlan li vraiment vide et Real de Madrid pour le faire face avec un gros défi tout c'est goal de la tête donc là pour un attaquant ou pas capable donc voyer ballon sous tête li c'est quand même une grosse faiblesse parce que dans ce football là nous ouais qui quantité opportunité donc un attaquant capable de la tête dans un match de football et là regardez ligne attaque Real de Madrid là pas gagne un joueur qui gagne un jeu de tête ça qui pourrait le faire que donc Real de Madrid a fait cette là dans un match de football ou pas pour ça du tout. Donc je pense si Kylian Mbappé lui-même c'est attaquant à jouer, faut que Kylian lui prend forme attaquant. Faut que Kylian lui pas vraiment dérangé nek k'ap jouer sous l'ailier
Et donc, bah, c'est ça qui a capable poser un pile problème avec l'équipe Real de Madrid là, parce que l'année passée, malgré Real, il était fait toute ça, il était fait, on était ouais des fois comment l'équipe Real de Madrid là, les con parfois il y a un petit problème lorsque le ballon sous l'aile là ou pas ouais personne en dessous surface là pour centrer. Et m'passé année ça là, si Real de Madrid lui-même les gagne Mbappé, Mbappé c'est attaquant lié. Donc faut équipe là lui-même lui quand même combler déficit ça. Donc on va voir et qui ça lui-même les poils bail Real de Madrid qui quand même raté rentrer dans